Hello tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc là c'est une vidéo entre autres sur mes achats que j'ai fait à la Migros, chez Marionneau et dans un magasin que j'ai découvert au Flon. Ça s'appelle Cosmetic Obsession que j'ai adoré parce que là-bas en fait vous avez la marque Morphe, donc cette marque-là. Et je me suis acheté justement cette palette-là, elle est vraiment magnifique. Je vais pas vous la swatcher parce qu'il y a énormément de fards, mais ils ont plein de palettes de cette marque là et ils ont plein d'autres marques aussi, dont Bath and Body Works, une marque américaine de produits pour la douche ou bien des crèmes que je savais pas du tout. Franchement, c'est vraiment une belle découverte pour moi. Et puis entre autres, je me suis acheté chez Marionneau un produit pour les cils et les sourcils, donc ça s'appelle Rodial. Là j'ai payé 77 francs le produit, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça marche. En tout cas, la vendeuse m'a certifié que ça marchait super bien et je voulais essayer parce que j'aimerais bien un peu refournir un petit peu mes sourcils. Et je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc c'est ce produit-là. Et puis je me suis acheté aussi deux fards. Donc c'est de chez Happy. Si jamais vous connaissez pas. Mais c'est vraiment très joli. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ces deux teintes. Voilà, donc ça se représente comme ça, dans ces deux petites boîtes. Voilà, et puis à la Migros, entre autres, je me suis acheté ces deux highlighters de chez Catrice. J'avais vu une youtubeuse parler de ces deux produits et c'est vrai qu'ils sont vraiment pas mal. Voilà, je vais vous les montrer. Donc c'est très liquide. Vous employez comme highlighter ou bien comme fard à paupières. Comme ça. Et puis l'autre teinte. L'autre, elle se représente. C'est un peu les mêmes, disons. Mais là, j'ai mis beaucoup, en fait. Un fait plus doré, puis l'autre fait plus dans le beige. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Et puis, je me suis acheté aussi à la Migros. Le stick anti-imperfection, c'est à base d'arbre de thé. Alors c'est ça se représente comme ça. Voilà. Et puis voilà, donc c'est tout ce que je me suis acheté chez dans ces boutiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été une courte vidéo. Mais j'aime bien vous montrer un peu les petites choses que je trouve dans les magasins parce que ça peut toujours rendre service. Des fois, on ne sait pas que ça existe. Alors voilà, donc je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne et gros bisous!